Mais si tout le monde rentrait avec les carreaux, c'est des nazis, c'est des nazis, ça, les nazis faisaient ça. Oui, oui. Hein? Oui. S'ils pensaient que tu étais un juif, là. Tout de suite! Merde! Ils arrêtent les gens pour leurs idées, c'est du fascisme. C'est ça du fascisme? T'arrêtes quelqu'un parce que t'as des idées, puis il n'y a pas besoin de loi, rien, arrête de tuer. Arrête, c'est des brigades politiques. Même les journalistes, là, ils en reviennent pas. Hein. Les journalistes, ils commencent vraiment à se poser des sérieuses questions. J'ai parlé à celui de Radio-Canada tantôt, là. Même lui, qu'eux autres ont supposé d'avoir une ligne de conduite, puis être vigilés, puis tout ça. Ouais. C'est pas leur corps, il faut... C'est lui qu'il faut contacter pour dire ce qui se passe vraiment. Ouais, il est bon. Qu'il en reparle. Mais le monde le savent, là. Le monde commence vraiment à savoir que ils appellent le CSPVM, tu sais, la police politique du Parti libéral, mais c'est parce qu'on sait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est eux autres, là, qui ont les matraques, les guns, puis qu'ils peuvent te mettre en prison, puis qu'ils gardent comment ils sont organisés. Jusqu'au jour, un peu plus dur, il y aura la guerre civile. Les gens, ils vont s'armer. Quand tu rentres des trucs comme ça, ils vont tirer sur les flics, tu vois. Hein? Voilà. Je pense que ça va venir là. Même la violence, je ne sais pas si tu étais là hier soir, puis avant hier, puis quoi ça, une Sainte-Catherine. Ah oui. C'est plus des manifestations, là, c'est des affrontements. Voilà, c'est ça. Là, c'est rendu, là, comme on voit en Europe. Là, voilà, mais parce qu'ils en ont plein de fruits. Là, c'est des affrontements. Ils sont là.